Bonjour et bienvenue sur ce cours. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le principe de fonctionnement des fonctions récursives. En fait, le principe est très simple. Qu'est-ce qu'il faut? Avant de se lancer dans l'implémentation d'une fonction récursive, il faut d'abord trouver un point d'arrêt ou une condition d'arrêt. Une fois que tu as la condition d'arrêt, la fonction va s'appeler elle-même tant qu'elle n'est pas arrivée à la condition d'arrêt. Par exemple, voyons un prototype d'une fonction récursive. Par exemple, j'ai nommé cette fonction nom et il prend par exemple paramètre 1, paramètre d, et etc. C'est-à-dire le nombre de paramètres d'une fonction récursive n'est pas limité. Ça dépend du contexte dans lequel tu travailles et ça dépend de la manière dont vous voulez travailler. Donc, ici, j'ai par exemple des fonctions. Et ici, j'ai posé if, condition d'arrêt, c'est-à-dire ici, on arrive à la condition d'arrêt, on va retourner une valeur. Parce qu'avec cette condition d'arrêt, tu trouveras une valeur. Et sinon, tu vas appeler la fonction. La fonction va s'appeler elle-même tant qu'on n'est pas arrivé à une condition d'arrêt. Et pour comprendre, parce que la théorie là est un peu floue. Donc, pour bien assimiler, je vais essayer de vous prendre un exemple pratique. Allons dans CodeBlocks et on va essayer de travailler sur une fonction, par exemple le palindrome. On peut faire beaucoup d'autres situations, mais ici par exemple, on peut essayer la fonction palindrome qui va retourner un booléen, c'est-à-dire vrai ou faux. Si par exemple la chaîne passée en paramètre de la fonction est un palindrome, il retourne vrai. Sinon, il retourne faux. Mais en C, par exemple, on déclare les booléens comme int, c'est-à-dire si la fonction est palindrome, il retourne 1, sinon, il retourne 0. Donc, on aura int palindrome et on va passer la chaîne de caractères, par exemple, chaise. Et on déclare, par exemple, une variable. D pour dire c'est le débit, c'est-à-dire qu'il va parcourir les chaînes de caractères, les caractères d'une chaîne. Et on déclare encore, par exemple, un autre paramètre, F, la fin, c'est-à-dire qui indique la fin de la chaîne de caractères. Ce sont ces deux variables qui vont nous permettre de parcourir au fur et à mesure. Ainsi, ici, par exemple, pour la fonction palindrome, qu'est-ce qu'on va faire? On s'arrête que si i arrive à s'égaliser à f. Si i est supérieur ou égal à f, c'est-à-dire s'il arrive à f ou dépasse à f, donc la condition, on sort. C'est notre première condition d'arrêt. Donc on va dire si d supérieur ou égal à f, donc on n'a rien. Ce qui veut dire qu'on a bien parcouru la chaîne de caractères. Et elle est bien palindrome. Sinon, on ne serait pas arrivé là. Et on retourne 1. Sinon, à ce point aussi, c'est pourquoi j'ai dit si c'est la première condition d'arrêt, par exemple. À ce point, il faut trouver encore, il y a deux autres conditions qu'il faut essayer de tester pour arriver à ce point. Pour cela, je vais poser d'abord la condition if. Si CS de i, par exemple, est différent de CS de F, je m'excuse, c'est D, j'ai déclaré, c'est pas I, est différent de CS de F, ce qui veut dire que la fonction n'est pas palindrome, c'est-à-dire dans le parcours, si il trouve des caractères différents avec ces deux positions, ce qui veut dire que la chaîne n'est pas palindrome. Donc, c'est la deuxième condition. Ici, la fonction n'est pas palindrome, on sort. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ici par exemple? Sinon, on retourne. Ici, après, je vais expliquer cette partie. Palindrome, chaîne. On va incrémenter D plus 1 et F va se décrémenter de 1. Qu'est-ce qu'on va faire ici? La chaîne passée en paramètres va être parcourue à travers ces deux entiers,
D et I. Et on va, dans la fonction dans laquelle on va appeler la fonction palindrome, on va initialiser D à 0 et on initialise F à la taille de la fonction palindrome. Si, par exemple, D arrive à s'égaliser à F ou dépasser, ce qui veut dire que la fonction est palindrome. Sinon, on rentre dans cette condition. Ici, par exemple, si on prend c'est-à-dire le débit de la chaîne, on compare à la fin de la chaîne, on trouve que les deux chaînes sont les mêmes. Donc, c'est bon. On va faire quoi? On va appeler, c'est-à-dire la condition là n'est pas vérifiée, c'est-à-dire n'est pas différente, c'est égal. Donc, on rentre dans cette condition. D va s'incrémenter de 1 et I va se décrémenter de moins 1. Ainsi de suite. Si on n'arrive pas à trouver des caractères différents avec les deux extrémités, c'est-à-dire de la fin vers le début, ce qui veut dire que la fonction est bel et bien palindrome. Donc, on est arrivé à dépasser f ou à s'égaliser. Donc, c'est bon, la fonction est palindrome. Et dans ce cas, on va essayer, par exemple, de tester ici. Car, prendre mettre étoile, il n'est pas. Ok, c'est la même chose. Et je mets, par exemple, ici, radar. Radar. Par exemple, c'est ma chaîne. Et je déclare ici, int. 2 par exemple, comme on a déclaré ainsi, 0 et par F est égal à quoi? Esterlen, Esterlen est une fonction qui permet de tester la taille d'une chaîne. Donc ici, il faut faire attention parce que les chaînes de caractères sont considérées en C ou dans la plupart des langages de programmation, si vous n'êtes pas dit toutes les langages de programmation. Une chaîne de caractères comme la chaîne de caractères ici, par exemple, est considérée comme un tableau de caractères. Et dans les langages de programmation, les indices de parcours des tableaux commencent toujours par 0. C'est pourquoi j'ai initialisé D ici à 0. Et dans ce cas, F maintenant, pour trouver le dernier caractère d'une chaîne de caractères, on va maintenant prendre sa taille, moins 1. C'est pour ça, ainsi, on a trouvé maintenant le dernier. Avec ça, on peut récupérer le dernier caractère de la chaîne. Donc, sur ce, on va essayer de tester encore ici. Est-ce que la chaîne est palindrome ou pas? On a palindrome, palindrome, CH, D, F. C'est-à-dire, si la fonction nous retourne 1, ce qui veut dire qu'elle est palindrome, printf. Je vais par exemple afficher la chaîne, poussant S pour afficher la chaîne, et palindrome. Et palindrome. Cheers. Sinon, si nous ne sommes pas arrivés là, c'est-à-dire si la fonction nous retourne 0, ce qui veut dire que la fonction n'est pas palindrome. Par exemple, ici, on va essayer de compiler, voir d'abord. Voilà, il nous affiche ici palindrome. C'est fait, il m'affiche quoi? Rare. CH. Voilà, la fonction m'affiche ici palindrome. Vous voyez, la palindrome est. Palindrome, pardon, palindrome, radar est un, la radar est palindrome. Et si, par exemple, on essaie de décortiquer cette partie, qu'est-ce qu'il faut? Ok, on a dit ici, la première condition, si D est supérieur ou égal à F, on retourne 1. Sinon, on rentre dans cette condition. Qu'est-ce qui se passe? On revient au niveau des radars. On a radar ici. On a dit D est égal à 0 et F égal à la taille moins 1, c'est-à-dire 4. Maintenant, on a pris CH de 0, c'est R, et CH de 4, c'est R. Il vient ici dans la condition ici. Est-ce qu'ils sont différents? Non, ils ne sont pas différents. On revient dans cette condition. Donc, palindrome va s'incrémenter, c'est-à-dire D va s'incrémenter, je m'excuse, de 1, et F va se décrémenter, c'est-à-dire D augmente de 1, F diminue de 1. Et il revient dans cette condition encore. On teste, est-ce que 2 est supérieur ou égal à F? Non, on revient encore dans la même condition. Une fois que c'est décrémenté, D
à ce niveau devient 0 plus 1, c'est 1. 0 plus 0, c'est 1. Et f, 4 moins 1, c'est 3. On revient dans la fonction radar. On a chd 1, c'est a. Et chd 3, c'est a. Il va revenir ici encore. Est-ce que chd 3, c'est-à-dire a, est différent de chd 1? C'est-à-dire A. A est égal à A. A n'est pas différent. Donc, il revient ici encore. CH, on revient D va s'incrémenter de 1. F va se décrémenter de 1. Et on aura 1 plus 1, ça fait 2. Et F aussi. Ce serait 3 moins 1, ça fait 2. On revient. On texte ici. Il revient, il texte. Est-ce que D est supérieur ou égal à D est supérieur ou égal à D. Vrai. Donc, il retourne 1. C'est pourquoi, pour radar ici, on a directement le résultat attendu. Radar est palindrome. Maintenant, si j'essaye de changer, par exemple, je prends manger, par exemple, manger, je vais tester sur ça. Est-ce que c'est radar ou pas? Vous voyez, il dit manger n'est pas radar. Manger n'est pas palindrome. Tu manges. CH de 0, c'est M. C'est-à-dire, D égale 0, c'est M. Et CH de 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire, CH de 5 maintenant, c'est R. Qu'est-ce qui se passe? On revient d'abord, D, c'est 0. 0 est supérieur ou égal à F? Non. On revient dans Health. Maintenant, on revient. CH de 0, c'est M. Et CH de 5, c'est R. Donc, M est différent de R. Donc, la fonction va nous retourner 0. Donc, il y a ce qui revient à dire que manger n'est pas palindrome.